Mais c'est remis de l'autre côté. Oh, solide mise en échec, appliquée par Kelly. Il se fait frapper en plein visage, le visage directement le long de la rampe. Sherbach a été frappé. Là, il va y avoir une bagarre encore. Ouais, là, c'est parti. Kelly encore. Et Dietz. Alors, Kelly, c'est son deuxième combat du match, là. Ouais. Et ça, Dietz. Dietz qui est venu à la rescousse. Ouais. Sherbach qui a l'air sonné. Ouais, il a frappé la baie vitrée. Et il y avait eu une autre mise en échec un peu auparavant aussi. Ouais. Alors, j'espère qu'on va nous montrer à nouveau la séquence, mais Sherbach est toujours agenouillé, là. Il est sonné. Regardez bien. Ouais, la première mise en échec, mise en échec là, sonne. Mais regardez bien la deuxième, là. Bang, et la tête, il donne tête première contre le coin, le coin de métal. On les a pas arrondis comme dans la Ligue nationale au niveau de la Ligue américaine. Le fameux coup de Shara sur Pacheco. Sherbach qui quitte vers le vestiaire. Au moins, il a quitté sur ses jambes, là, avait l'air d'être en mesure de marcher. Alors, qu'est-ce qu'on va décerner là, comme punition? C'est évident qu'il va y avoir des 5 minutes pour bagarre à Kelly et Dietz. Le père va envoyer le grand. Oui, vous allez voir ce qui se passe. Il envoie Scott pour aller voir ce qui se passe au niveau des pénalités. Alors là, il y a des 2 minutes de chaque côté sur le tableau indicateur. On n'a pas l'air d'être d'accord que notre ami Scott avec l'officiel. Sur la dernière, c'est Marc Lemelin, au 41, et l'autre est Olivier Gouin.